100%, t'es 10%, 100%, 100%. Récent. C'est Paco, hein? Paco LM de Sucrose Collective à commercial M Mystery sur Instagram. Elle est en train de faire une œuvre peinte et ce sera vendu à l'encan tantôt. Hein? Il y a un certain Boudreau qui nous boudrisera. Donc là-dessus, écoutez, c'est un plaisir à chaque début de mois, chaque premier lundi du mois depuis, écoute, les rengaines, là, les autres fois. On reçoit Souffle et Pétille qui viennent nous faire un petit schnezzle. Je vous encourage fortement à les suivre sur Facebook pour vous tenir au courant. Je pense que c'est chaque premier mercredi du mois qu'ils ont un pestac au Quai des Brumes. Là-dessus, ben, check, je vais te le faire une autre fois. Après ça, c'est tout qu'il faut qu'ils parlent avec notre house band. Hey, Dodds! Hey, je pense que ça marche, là. Hello! Esti! J'avais un fil qui chiait. Il ressemble à John Lennon, hein? Un petit plus peu. En vie, mais ouais. Ouais, fais attention. Ouais, ouais. Hey, écoute, je vais avoir un chroniqueur, fais ce qu'il faut. De retour, est-ce que ça fait du bien? Ah, oh, bonne main d'applaudissement! Le meilleur danseur radiophonique au monde, amenez-en un autre, n'importe lequel, je suis sûr qu'il y a notre chino qui casse la gueule. Souffle et pétille. Fais-toi-en pas, c'est pas la première fois que j'interroge un acteur. On n'est pas dans un film ici! Fait que, on va commencer par regarder ta déclaration. Jeudi passé, t'avais un tournage pour ton dernier film. Ça s'est bien passé. T'es rentré dans ton personnage! J'en reviens. Aïe, il est vraiment bon. Ça doit être ses yeux. Tu penses? J'ai un truc pour le faire parler. Tu fais des erreurs, des mauvais choix! Je te gage que t'as même pas d'argent! J'en reviens. Je veux plus que tu y crées après. Tu l'aimes trop. Promets-le. OK. Promis? Ouais, ouais. J'ai vu tous ces films. Quand j'y parle, j'ai l'impression qu'il faut que je joue la police. Mais c'est nous, la police! Si on y va ensemble, on va avoir plus de chances de le faire parler. Me fais-tu confiance? Ouais. Laisse-moi parler en premier. OK. Bon, ben, je pense qu'on peut arrêter les mises en scène. Jeudi dernier, après le tournage, t'es pas allé au rap party avec le reste de l'équipe. T'es pas non plus rentré chez vous. Y'a quelqu'un d'autre qui est pas rentré chez eux. L'accessoiriste de plateau! On sait que durant une scène, il aurait fait exprès de te donner la mauvaise perruque. On a retrouvé des poils de ce perruque-là dans l'estomac de la victime. Et le reste de la perruque à ton condo de l'île des Sœurs. À boulet! Ça va me décevoir, mais... Dis-le-moi. Tu y as fait manger ce perruque-là. Aucun doute! Dis-le-moi. Bouchard? S'il te plaît, à vous. Hé, hey, arrête là, wow! C'est un acteur, un être puissant. Il peut faire vivre des émotions aux gens. Moi, quand j'étais jeune, mon père, il voulait que je joue au hockey, mais moi, tout ce que je voulais, c'était être une police comme dans les films. Dans ce temps-là, je me posais pas de questions. Qui sont les bons? Qui sont les méchants? Bouchard! Je connais ta femme. T'es un bon père. Un bon policier aussi. Fais pas quelque chose que tu pourrais regretter. Je suis l'acteur de la police. C'est mon rôle. Et je vais mourir sur scène. Ramène-en pour passer ça. Garde la gang qu'on est, ça va en prendre plus pour passer ça. Ben voyons donc. Qu'est-ce qui se passe? J'en calerai d'où? Ah, pour m'endormir. Ça va rentrer au poste. On a des chums pour passer ça. Ramène-en 12. 12 pour en passer. Grievel, bière, ale, tu nous manques déjà.
Merci. Alors, on est en... Nous serons en spectacle. C'est quoi la... Le 2 février 2022. 2 février 2022. C'est pas de suite. Quai des Brumes. Vous êtes les bienvenus. C'est un 5 à 7. D'accord? Tous les donc, premiers mercredis. Dis-moi. Je vous rends votre micro. Ah, quels hommes! Hein? Moi, ça fait plusieurs années que je les connais. Damien, ça va faire bientôt 20 ans que je le connais. C'est assez capoté comme hein, que la vie est rendue père en plus. Hein? Full fertile. C'est vrai, c'est-tu que c'est capoté? C'est ça le temps, hein? Toi, comment tu vis ça le temps? Right? 70, 100%, 100%.